Bonjour mes chers élèves. Bonjour maîtresse. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de poésie. Nous sommes toujours dans l'unité numéro 3, Je m'habille. Notre poésie d'aujourd'hui intitulée Les habits neufs. Alors mes chers élèves, je vais lire le poème une seule fois et après on va l'apprendre tous ensemble. Les habits neufs. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté un pantalon rayé, un pull tout bariolé, une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Plantée devant la glace, je me regarde en face, avec mes cheveux courts et ce blouson en velours. Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Je ne me reconnais pas. Le nom du poète, c'est Corinne Albo. Alors, on va essayer de l'apprendre ensemble. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté. Un pantalon rayé, un pull tout bariolé. Un pantalon rayé, un pull tout bariolé. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Plantée devant la glace, je me regarde en face. Plantée devant la glace. Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Les habits neufs. Les habits neufs. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté. Pour le jour de la rentrée. Pantalon rayé, un pull tout bariolé. Un pantalon rayé, un pull tout bariolé. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Plantée devant la glace, je me regarde en face. Plantée devant la glace, je me regarde en face. Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Alors, comme d'habitude, on écrit le poème et on essaye de faire des illustrations selon le thème. Alors, notre thème, ça consiste les habits. Pardon. Merci. Alors, on a les différents types de vêtements. Comme on a parlé dans le texte de lecture, un gilet pour la choura, la maman qui veut acheter le gilet pour la choura. Là aussi, ce poème, elle parle d'une maman qui a acheté des vêtements neufs pour son fils le jour de la rentrée scolaire. Alors ce petit garçon, il ne se connaît pas parce qu'il habille, elle s'habille de nouveaux vêtements. Il se regarde devant le miroir ou bien devant la glace et lui, il ne se croyait pas le même. Alors, on va le répéter pour la dernière fois et vous allez essayer de l'apprendre par la suite. Les habits neufs. Les habits neufs. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté. Pour le jour de la rentrée, maman m'a acheté. Un pantalon rayé, un pull tout bariolé. Un pantalon rayé, un pull tout bariolé. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Une nouvelle ceinture, une paire de chaussures. Plantée devant la glace, je me regarde en face. Plantée devant
Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Avec ses cheveux courts et ce blouson en velours. Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Est-ce vraiment moi, ce garçon-là? Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Merci, à la prochaine.